penser à tous les problèmes, à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. La solution à chacun commence par l'éducation. Il est déjà 14h GMT, c'est l'heure du palais de l'éducation sur la télévision juridico-chrétienne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue chez nous dans ce palais. Réussir une nouvelle année avec plein de défis est le thème qui nous intéresse cet après-midi. Deux invités sont autour de ce plateau pour répondre aux questions liées à ce sujet. Maître Sossou, Sefako Amé Valérie, vous êtes juriste et juriste praticienne, deuxième maire adjointe de la commune de Khediaoui, Golfe 2. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bidé. Comment allez-vous, c'est Bida? Bidé, pardon, oui, monsieur Bida. Comment allez-vous? Nous allons bien, par la grâce de Dieu, ça va. J'espère que la commune et la mairie vont bien. Nous rendons grâce, ça va. Dieu nous merci. Allons bien. Dieu merci. Monsieur Nambri Siba et Benjamin, je crois que j'ai bien prononcé le nom. Vous êtes sociologue et président de l'association Rega Citoyens et Action Collective. Et bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Mathieu, je vais bien. Et comment va l'association? Ah oui, on se porte très bien. D'accord. Et nous allons aller très rapidement. Donc, comme d'habitude, nous sommes en début d'année et nous sommes bien évidemment dans le premier mois. Et nous allons passer donc à l'étape de souhait des vœux. Madame, je vais commencer par vous parce qu'on dit souvent les femmes d'abord. Merci, monsieur Mathieu. Et bonjour et à tous les téléspectateurs et bonjour à toute la population de notre commune de Khediaoui Golfe 2. Et chers Togolais, je voulais en ce début d'année rendre grâce à Dieu pour nos vies, vos vies. Je voulais, par cette occasion qui m'a été offerte, vous présenter mes voeux, les meilleurs, mes voeux de santé, la paix, la joie, l'amour, la prospérité. Je voudrais vous dire de profiter de cette année 2022, car c'est une année riche en bénédictions, c'est une année de fécondité. Apprêtez-vous à jouir de cette fécondité chez vous, autour de vous. Bonne et heureuse année à tous. Merci, madame. Ça me va droit au cœur. Je vais me tourner vers monsieur Nambri Siba pour qu'il fasse le même exercice. Merci, monsieur Mathieu. C'est une tradition, oui. C'est vrai. Mais souvent, moi, j'ai l'habitude de dire, la vie, c'est comme une vie dans une plaine. Oui. Quand tu lances un cri, oui. L'écho te revient. Oui. Quand tu souhaites quelque chose à quelqu'un, oui. C'est ça qui va te revenir. Oui. Donc, la plus simple des choses, souvent, comme moi, je mets sur mon statut, tout ce que quelqu'un me souhaite, je lui souhaite le double. Oui. Si tu veux ma mort, ce que tu vas partir avant moi. Oui. Donc, moi, c'est souvent ce que je souhaite aux gens. La santé, tout, mais ce que l'on pense en voyant son voisin, c'est ça qui est le plus important. Donc, qu'on change nos mentalités et on verra que la vie aussi va changer envers nous. Voilà. Donc, on veut qu'il y ait plus de solidarité entre nous. Avec les sociologues, les psychologues, les coachs, les manières de souhaiter les vœux sont toujours différentes. Donc, ça ne m'étonne pas. Nous allons maintenant aborder une question importante de cette émission. Et monsieur, comme nous sommes adressés au public, aux citoyens, je voudrais que vous parliez un peu de votre association. Voilà, la RC Regard Citoyen, c'est une association, comme je viens de le dire, le regard citoyen, c'est-à-dire qu'on est là, on regarde. Mmh. Maintenant, tu regardes, tu vois une situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. Donc, c'est pourquoi on dit regard citoyen, action collective. Toi seul, tu ne peux pas agir. Vous regardez, vous agissez. Tu regardes, tu peux regarder seul, mais pour agir, il faut être ensemble pour agir et pour impacter
un phénomène. Si on prend la pauvreté, toi seul, tu ne peux pas dire que tu vas sortir une communauté de la pauvreté, quelle que soit ta richesse. Si cette communauté ne veut pas que tu l'aides à sortir de sa situation, tu peux déverser des milliards, ils ne vont jamais sortir de la pauvreté. L'action doit être collective. Quel que soit ton argent, tu amènes, tu les invites, tu les amènes à comprendre que tu veux les aider avec leur participation à sortir de leur état. Voilà, donc c'est pourquoi on dit regard citoyen et action collective. Et vous voyez les maux dont souffre notre société actuellement. La violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants et les enfants de la rue. Bon, on met tout ça là-dedans et on essaie de faire ce qu'on peut pour aider. Voilà. D'accord. Et madame, et vous êtes une autorité et vous travaillez spécialement pour l'avancement de cette communauté. Et vous venez d'écouter un peu ce que monsieur le sociologue a dit. Et vous intervenez aussi. Vous allez sur le terrain, vous allez dans les contrées, vous faites des actions. Et je peux même dire, c'est des actions citoyennes, des actions humanitaires, des actions sociales. Et madame, oui, et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent actuellement par rapport à tout ce qui se fait? Et vous avez déjà fait certaines actions qui sont à saluer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire actuellement avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet? Merci. Nous sommes en plein processus de décentralisation et la gouvernance locale. Et donc, il faut construire nos communautés. Et depuis que nous sommes en exercice, nous essayons de faire comprendre les concitoyens, de réveiller toute la population, surtout leur conscience. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase de ce processus où il faut l'implication de tous. Il faut l'implication, comme le frère l'a dit, et il faut que les actions cessent d'être individualistes, mais collectives. Parce que la quintessence du développement local passe par le collectif. L'homme et le collectif, l'homme avec grand H. C'est-à-dire qu'il faut rassembler les femmes et les hommes, les enfants et les jeunes. Tout le monde doit mettre sa main à la pâte. Et donc, nous pouvons dire que le bilan pour le moment n'est pas à 100%, mais à 40%, 45%, les consciences citoyennes commencent par se lever pour prendre le développement, l'opportunité qui nous a été offerte par le sommet de l'État. Et donc, nous sommes en train de leur dire et de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras. Chaque fois que nous sommes sur le terrain, comme il a dit, il faut observer, il faut voir, il faut juger, c'est-à-dire il faut essayer d'élaborer les stratégies qu'il faut et pour mener des actions, apporter des solutions aux problèmes que nous constatons, que nous voyons sur le terrain. Il y a certains problèmes qui viennent involontairement, et nous parlons par exemple des catastrophes naturelles, l'inondation, notre commune n'est pas exemptée de ce phénomène. Et néanmoins, il y a d'autres actions ou bien d'autres phénomènes qui viennent de par l'ignorance de la population ou bien l'incivisme. Et nous parlons par exemple du domaine de l'assainissement, l'insalubrité. Et lorsque le citoyen veut jeter des ordures sur la voie publique ou bien les eaux usées sur la voie publique, il doit se poser la question de savoir que ce que je suis en train de faire, si c'était sur ma cour, si c'était sur ma terrasse, dans ma maison, est-ce que c'est bon? Et donc, nous essayons de leur parler chaque jour. Ce n'est pas facile. Et il y a certains, ils sont encore, entre guillemets, Saint Thomas, ils sont toujours à cette vieille école où il faut toujours attendre de l'État. Comme si l'État, c'est une personne à part de nous-mêmes, alors que nous-mêmes, nous faisons partie de l'État en question. L'État, il y a l'administration, les gouvernants, mais les gouvernés, dans l'action collective, doivent aussi s'auto-saisir pour que l'action collective puisse être menée à bien et permettre d'asseoir le développement au sein de nos quartiers, pour nos villes et pour notre pays. C'est très important.
Et donc, nous continuons par sensibiliser. Et donc, nos actions, la plupart, se résument à la sensibilisation, à l'éveil de prise de conscience et individuelle et collective, parce que les deux se composent à notre niveau. Et nous essayons aussi de faire comprendre cette opportunité à tous de ne pas se baisser les bras. C'est vrai, le pays, de part et d'autre, il y a tellement de défis à relever. Et ce n'est pas pour dire que l'espoir n'est pas permis. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons continuer par oser, nous pouvons continuer par nous lever, nous battre, et pour relever les grands défis qui sont devant nous dans ce monde où il faut vraiment oser, il faut vraiment battre le fer pour pouvoir être ce qu'on veut devenir. Voilà un peu ramassé. On a l'habitude de dire, on bat le fer quand il est chaud. Quand donc il est nous chaud, sommes là ça. Pour pouvoir battre le fer parce c'est que ça. Nous savons que nous avons des gros défis à relever. Donc, comparativement au thème que nous avons choisi aujourd'hui, et réussir une nouvelle année avec plein de défis. Donc, je vais poser cette question à M. Benjamin. Et monsieur, expliquez nous ce que c'est qu'un défi et tout ce qui tout ce qui nous suit actuellement et sur les petits écrans, là où ils sont. Et je voudrais que vous donniez une explication à ce thème. Le défi, c'est quoi? Merci, monsieur Mathieu. Pour faire simple, un défi, c'est un objectif qu'on se fixe à atteindre. Alors, je me dis, jusqu'en décembre, il faut que j'aie une voiture. Alors, c'est un objectif que je me suis fixé. Maintenant, il faut que je remonte tous les défis pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, c'est les obstacles qu'on rencontre pour pouvoir atteindre un objectif. Voilà, c'est ça qu'on appelle défi. À supposer que tu es élève en classe, vous avez les mêmes cours. Oui. Mais je peux dire que mon défi est d'être premier de la classe. Donc c'est un objectif que tu te fixes. Oui. Maintenant, ce défi à relever, c'est quoi? Tu dois bosser dur pour qu'à la fin de l'année, tu puisses réussir. Donc l'objectif, c'est la réussite. Maintenant, pour atteindre cette réussite, ce qu'il faut bosser dur pour réussir. Donc, le défi, c'est que je dois être le premier de la classe dans toutes les matières. Voilà. Donc, tu te donnes les moyens pour être premier dans toutes les matières pour qu'à l'examen, tu puisses réussir sans problème. Et tu atteins ton objectif. Voilà. Donc, pour faire simple, c'est ce qu'on peut dire un défi. D'accord. Voilà. Madame, je vais vous poser la même question. Expliquez-nous ce que c'est qu'un défi. Bien, je dirais que quand on parle de défi, il faut dire que il faut faire allusion à l'autre synonyme, bravo. Mmh. Et quelqu'un qui se dit comme étant un challenger de défi ou bien qui veut relever un défi, il doit être armé. Il doit être armé de bravo. Et c'est un acte de bravoure quand on veut parler de défi. Donc, en un mot, c'est un défi, c'est en réalité se mettre en combat. Se mettre en combat face à une situation pour pouvoir solutionner un problème qui est né derrière cette situation. De façon très bref, c'est ce qu'il faut dire. Peut-être on va y revenir de façon plus approfondie, détaillée avec la suite. D'accord, madame. Et nous savons que quand on parle de défi, on parle de la bravoure, comme vous venez de le dire, on parle du courage, on parle de la détermination, on parle de la confiance aussi. Donc, les quatre thèmes que je viens de citer, est-ce qu'on peut faire fi de, monsieur le psychologue, est-ce qu'on peut faire fi de ces quatre thèmes pour pouvoir atteindre les défis et réaliser les objectifs ou bien atteindre... Et c'est lui. Voilà. On ne peut pas faire fi de tout ça là pour atteindre son objectif. La première chose qu'il faut avoir d'abord, c'est la confiance en soi. Quand tu n'as pas confiance en toi, ça veut dire que tu ne te trouves pas capable. Et c'est quoi donc la confiance en soi? Voilà, la confiance en toi, c'est dire, ok, d'accord. Supposons, on dit, sois en hauteur, on a mis la corde à 1 mètre. Oui. Tu regardes la corde.
Tu n'as pas essayé, tu dis non, moi je ne peux pas. Oui, je ne peux pas sauter. Je ne peux pas sauter. Oui. Mais tu n'as pas essayé. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi, que tu as les capacités de pouvoir le faire. C'est ça le problème. C'est ça qui est vraiment un souci actuellement dans la société. On reste, on réfléchit, on pense, mais à la fin on se dit que est-ce que je suis capable de le faire? Mais on ne commence pas pour voir si il y aura un blocage avant de demander de l'aide. On est assis et puis on dit non, moi je ne peux pas le faire. Mais ceux qui le font, ils n'ont pas mangé un lion. Il faut avoir la confiance en soi. Et avant d'avoir la confiance en soi, il faut s'aimer. Il y en a qui ne s'aiment pas. Donc moi, comme ça, je vais me détester. Oui, il y a des gens qui se détestent. Ils se mirent, ils se disent que, ben, supposons moi, je suis chauve. Il va dire, ben, pourquoi Dieu a fait que je suis chauve? Je n'aime pas ma tête. Déjà, ça, c'est une frustration que toi-même, tu te fais. C'est un blocage que toi-même, tu mets dans ta tête. Voilà, quand tu t'aimes comme tu es, tu vas pouvoir faire autre chose à l'extérieur. Voilà. Donc, tout ce que vous venez de citer, il faut tout ça là, dans ce panier, pour te donner du courage, pour pouvoir atteindre tes objectifs. D'accord. Voilà. Je vous ai compris. Et je veux rappeler encore une fois le thème qui nous réunit autour de ce plateau est et réussir une nouvelle année avec plein de défis. Donc, mes invités sont là et nous sommes en train d'en parler. Et je vais poser cette question à madame. Et dans la vie, pour atteindre des objectifs, on fait un programme ou un planning bien défini. Comment peut-on faire le planning d'une nouvelle année pour réaliser ces projets, madame? D'accord. Je vais, avant de répondre de façon spécifique, je vais essayer d'ajouter quelque chose à ce que mon frère a dit. En dehors de la confiance en soi, il faut croire en soi. Il faut croire en soi et il ne faut pas se douter de sa capacité d'agir. Et surtout, lorsqu'on est dans le vouloir, il ne faut pas mettre le doute. Tu veux quelque chose. Du moment où, dès lors que le vouloir se lève, il faut que tu accompagnes ce vouloir de la confiance, de la capacité de pouvoir arriver jusqu'au bout. Il faut se dire, c'est là, en faisant ça, que tu es en train de relever un défi. Tu es en train de te battre. Il y aura certes des doutes ou bien de l'esprit sceptique viendra un peu par rapport au réalisme. Parce que devant la situation, bien devant le fait, tu vas te dire, peut-être tu manques de moyens. D'accord, tu manques de moyens. Ce qu'on peut dire, on le dit communément, imprévu. Mmh. Tu peux avoir un imprévu, mais comment tu arrives à contourner les imprévus? Le comment tu arrives à le faire se trouve dans la croyance, dans tes forces intérieures. Une chose est d'avoir confiance en soi, mais une autre est de pouvoir compter sur soi. Voilà, c'est très important. Il faut savoir compter sur soi. Et c'est en comptant sur soi qu'on peut essayer de créer d'autres forces qui ne sont pas prévues dans les objectifs, derrière les objectifs. Les moyens que tu as rassemblés pour atteindre tes objectifs, tu peux avoir des imprévus. Même dans l'élaboration des budgets sur le plan financier, c'est comme ça se passe aussi. Tu as des lignes prévisibles, tu as des prévisions budgétaires, mais il y a toujours une ligne qui s'appelle imprévu. C'est pour dire que sur tous les plans, une vie humaine, elle mérite une planification et elle a des objectifs. Ces objectifs, certains peuvent être des objectifs du Créateur, parce qu'il sait pourquoi il t'a créé, il sait pourquoi tu es né sur la planète Terre, il sait pourquoi tu n'es pas dans l'espace animal ni végétal, mais il t'a donné une vie, il a voulu que tu sois dans l'espace humain. L'espèce humaine, pardon. Donc, déjà, c'est un objectif. Il a des objectifs. Maintenant, toi qui es venu, tu dois avoir aussi des objectifs pour pouvoir être dans la société humaine. Alors, en parlant des objectifs, il faut savoir les classer. Voilà. Il y a des objectifs
qui dépassent notre moyen. Il y a des objectifs qui ne répondent pas à la réalité. Il faut être dans le réalisme lorsqu'on veut fixer des objectifs pour atteindre un but. Voilà. Souvent, il y a certains qui confondent le but et l'objectif. Oui, c'est deux choses différentes. Les objectifs aident à atteindre un but. Oui. Vous voyez un peu. Et donc, le but peut aussi, la liaison continue avec la vision. Oui. Donc, il faut savoir, il faut d'abord manager et son environnement, sa capacité. Il faut travailler sa capacité, ses forces intérieures et extérieures avant d'élaborer les objectifs. Et les objectifs, c'est selon ta vision. Où est-ce que tu veux aller? En 2 mois, en 1 mois, en 3 mois, sur toute l'année, quel est le but? La fois dernière, sur ce plateau, je disais qu'à la fin d'année, il faut que l'on fasse un bilan. Oui, vous l'avez dit. Et justement, c'est après un bilan qu'on se lance d'autres objectifs. Mm. Peut-être qu'il y a un but que tu n'as pas pu atteindre l'année dernière, dont tu te fixes des objectifs pour pouvoir atteindre ce but courant cette année. Et en allant, tu vas essayer d'éliminer dans ta planification. Tu dois avoir un agenda. La planification, c'est... Et elle doit avoir toujours une place primordiale dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Et en même temps, ça fait appel à l'organisation. Tu ne peux pas planifier et laisser l'organisation. Tu te fixes les objectifs, tu planifies, tu t'organises et tu t'adaptes avec une méthode donnée, avec ton effort pour pouvoir réussir. Et habituellement, moi, dans mes stratégies, j'aime créer vraiment des théorèmes moi-même. Il n'y a pas que Pythagore qui doit me créer des théorèmes. Mmh. Chacun doit pouvoir... C'est aussi les manières pour chacun de pouvoir rester dans les gammes en matière de vision, bien de but à atteindre. Il faut savoir créer des stratégies propres à nous-mêmes pour pouvoir atteindre. Je suis élu local, j'ai un mandat de 6 ans. Quelle est ma vision? J'ai une vision avant d'être candidate, d'accord? Et j'ai en dehors de cette vision, j'ai un amour. C'est l'amour fait appel à la confiance en soi. Je compte sur moi-même, je compte sur mes concitoyens, je compte sur toute la population, je compte sur les efforts conjugués par le conseil municipal, par nos techniciens, pour pouvoir aussi apporter une contribution qui est ma vision pour le développement de ma commune. Et chaque fois, chaque mois, chaque année, je dois pouvoir m'évaluer. Là, je fais appel aussi, quand pour atteindre cet objectif, il faut aussi, au bout de la chaîne, faire l'évaluation. À un moment donné, tu dois pouvoir t'arrêter. Sur l'année compte 12 mois. Tu ne dois pas attendre fin d'année avant de pouvoir évaluer. Si tu es dans une stratégie mensuelle, ça veut dire que chaque fin du mois, tu dois pouvoir évaluer tes activités du mois. Où est-ce que tu as fait des faux pas? Où est-ce que tu dois améliorer? Est-ce que tu avances ou bien tu régresses? Tu dois pouvoir faire l'évaluation à chaque fois que tu es dans ta planification, dans la manière d'atteindre tes objectifs. Donc, c'est un peu comme ça ce qu'on peut dire derrière cette question. Merci, voilà. Madame. Nous vous avons vraiment suivi. J'espère que les détails que vous avez donnés autour de cette question vont émerveiller plusieurs de nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Donc, je voudrais aussi, je ne sais pas si M. Benjamin a quelque chose à ajouter à cette question que je venais de poser à Madame. Okay. Par rapport au planning, au programme qu'on peut définir au cours d'une année. Oui, Madame le maire a tout dit. On ne se lève pas comme ça et puis on avance. Non, c'est vrai que le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Mais voilà pourquoi on met des années pour pouvoir avoir des découpages et organiser ce qu'on veut dans ce temps. Donc, si je me dis que d'ici 3 mois, je dois faire ceci, ben je sais comment mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'en 3 mois, je puisse atteindre ce que je veux. Voilà, on ne se lève pas comme ça pour dire non, il faut un planning. Et après le planning, il faut un plan d'exécution.
Voilà. Et avec ça, tu peux... Donc, je vais très rapidement vous poser cette question. Et dans la réalisation des projets, on parle très souvent de fixation d'objectifs. Je l'ai suivi dans les dires de madame tout à l'heure, mais je voudrais vous poser cette question pour que vous nous donniez une explication profonde par rapport à ça. Et donc, je reprends, dans la réalisation des projets, on parle très souvent de fixation d'objectifs à court, moyen et long terme. Est-ce que ceci peut être aussi respecté et dans une année? Si oui, comment? Bien sûr qu'il faut se fixer des objectifs et à court terme, à moyen et à long terme. Alors, si je veux dire que je dois m'offrir une villa, oui, ça ne peut pas se faire en une année. Oui, oui. Donc, ça veut dire que c'est un objectif à long terme. Oui. Maintenant, tu te donnes les moyens pour que dans 10 ans, tu puisses avoir ta villa. Mais si tu es élève, ton objectif de l'année, c'est quoi? C'est de réussir ton année scolaire. Oui. Donc, c'est à toi de t'organiser parce que l'année même est organisée en semestre. Oui. Tu sais que le premier semestre est là, le deuxième est là et à la fin du deuxième, si tu es en classe d'examen, vous allez passer l'examen. Donc, c'est à toi de t'organiser pour que tous les cours que tu reçois depuis le premier semestre et vous finissez les compositions, il y a les cours du deuxième semestre qui vont s'ajouter. Mais si tu n'as pas une organisation pour lire les cours du premier semestre, ce n'est pas en 2 semaines pour aller à l'examen que tu vas revenir lire les cours du premier semestre. Donc, ça veut dire que tu dois planifier tes heures d'études. Tu es en deuxième semestre, il y a les cours du premier semestre. De telle heure, tel jour, je révise les cours du lendemain. De telle heure, je révise les cours du premier semestre pour toujours avoir la tête fraîche dans ce domaine. Mais si tu te dis que bon, ok, le premier semestre est fini, tu attaques le deuxième et c'est à 2 semaines, tu te rends compte que ah, le premier chapitre de l'histoire et géographie, tu ne le maîtrises plus. Alors, donc, tout est à planifier. Et sur un temps. Maintenant, on avait défini au début que l'année. Non, pas seulement une année. Tu peux définir des objectifs sur un quinquennat. Voilà. Et maintenant, tu te donnes les moyens à atteindre cela. Et puis, si madame le maire a dit quelque chose, s'il faut parler du temps, on peut dire qu'on a 3 sortes de temps. Il y a le temps physique, oui, le temps métaphysique et le temps cyclique. Oui. Alors, si on prend le temps oui, comme ça, le temps physique, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Bon, ok, je me suis réveillé à 5 heures et à midi, j'ai mangé, le soir, je dors. Voilà, ça, c'est ce qu'on voit. Maintenant, il y a le temps qu'on ne voit pas. Oui. Ça, c'est le temps métaphysique. C'est le temps métaphysique. Oui. Ça, c'est l'invisible qui agit. Donc, quel que soit ce qu'on fait, on doit mettre l'invisible au milieu de ce qu'on fait. Parce que nous, on va programmer, nous, on va définir les objectifs, mais la puissance de l'invisible peut agir sur notre programme. Voilà. Bon, le temps cyclique, ça, c'est encore plus long. C'est en géologie, il faut parler de 25 000 ans. Bon, ça, nous, on est déjà mort. Oui. Voilà. Donc, les deux premiers temps, le temps physique et le temps métaphysique, c'est très important dans la programmation de nos plannings. Voilà. Parce que tu peux planifier quelque chose, à un moment donné, tu sens qu'il y a un problème qui fait que tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Mais ce n'est pas que tu ne peux pas, mais quel a été l'impact de l'invisible sur ce que tu as programmé. Souvent, ça décourage. Et on se dit que, mais souvent, on appelle Dieu. On dit, mais pourquoi Dieu a fait que je n'ai pas pu faire ceci? Non, il sait pourquoi il ne t'a pas permis d'atteindre cet objectif-là à ce moment précis. Donc, il faut toujours persévérer, avoir confiance en soi et toujours te relancer. C'est pourquoi on dit, quand on tombe, il faut toujours se relever. Ce n'est pas parce que je me suis dit, dans 3 mois, je vais avoir ceci, je n'ai pas pu l'obtenir, que je ne vais pas me redonner encore une prolongation pour pouvoir le faire. Ça devient un match de foot. Voilà, ça devient un match de foot. Et il faut que, on sait qu'un match de foot, les prolongations ne dépassent rarement 10 minutes. Oui. Donc, tu te fixes encore une période et tu fais tout pour pouvoir l'atteindre. Et si tu ne l'atteins pas toujours, il faut revenir maintenant, faire un bilan personnel pour voir mais qu'est-ce qui m'empêche de réaliser cela. Oui. Est-ce que c'est une incapacité personnelle ou bien c'est une force invisible qui ne me permet pas d'atteindre cet objectif?
Et quand tu fais une rétrospection en toi-même, si tu es vraiment connecté avec ton Dieu, tu verras le nœud du problème et tu pourras le résoudre. Et ton objectif, tu vas l'atteindre. Voilà. D'accord, madame. Et je voudrais que vous aussi vous reveniez sur cette question, parce que tout à l'heure, il a parlé et il a utilisé un thème que vous, qui est dans les choses, je pourrais dire étatiques, vous employez le thème, vous appelez quinquennat, c'est consonne. Mais ici, je ne vais pas aller au stade des quinquennats. Vous avez des objectifs que vous fixez à moyen, à court, moyen, long terme. Et je voudrais savoir si ces objectifs peuvent être aussi fixés au cours d'une année. C'est ce que je voudrais savoir. Et c'est ce que aussi quelqu'un chez lui veut savoir. Oui, j'ai l'habitude de dire aux gens que réaliser un projet ou bien son projet dépend du réalisme qu'on donne au projet. Habituellement, c'est en face de la jeunesse que je raisonne ainsi. C'est-à-dire, il y a certaines audacités qui ne sont pas réelles. Qui ne sont pas réelles. Lorsque vous voulez vous fixer des objectifs ou bien vous concevez un projet qui vous tient à cœur et que vous tenez, vous avez mis tous les moyens pour pouvoir le réaliser, tout dépend de vous. Tout dépend du management que vous faites autour de ce projet. Tout dépend de la mobilisation des moyens que vous faites vous-même d'abord. Il faut compter sur soi. Et l'exemple le plus frappant aujourd'hui, quand vous vous approchez de tout partenaire pour demander un quelconque moyen pour pouvoir réaliser un projet, on va vous demander votre participation, votre part, votre quote-part. Ça veut dire que la réussite sur tous les plans dépend de nous d'abord. Et quand je parle de nous, conjugué avec Dieu le Créateur, comme il a dit, je l'ai dit et d'une manière, il a aussi souligné, nous n'existons pas que de la chair. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Et le spirituel agit sur l'humain, sur le physique. Et donc, et souvent, quand nous parlons, nous dégageons des énergies. Même si nous ne parlons pas, même les yeux, le regard seul suffit pour pouvoir arracher un moyen. Donc, tous ces éléments rentrent en jeu en matière de réalisation d'un projet, ou bien de réussir un projet, ou bien réussir sa vie. Et on a l'autre habitude de dire, réussir sa vie ne veut pas forcément dire qu'on a atteint les objectifs. On peut se dire qu'on a, on a réussi notre vie. Ok, j'étais enfant, je suis devenu jeune, je suis devenu adulte, j'ai construit une maison, j'ai un travail, je me suis marié, j'ai des enfants. Ok, j'ai réussi ma vie. Ce n'est pas évident. Il y a des détails, il y a des coins, des zones où quand on veut rentrer, c'est pourquoi c'est important de toujours s'arrêter pour s'auto-évaluer et évaluer ce qu'on est en train de produire comme étant des fruits de nos efforts. Et donc, il faut forcément qu'on ait cette conscience que réussite dépend de moi avant de penser que ça dépend de l'autre. Parce que c'est le moi qui se met en interaction avec l'autrui, avec l'extérieur. C'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'il faut savoir compter sur ses propres forces intérieures. On peut te donner un milliard. Je donne un exemple très banal. On peut te donner un milliard pour réaliser un projet agro-pastoral avec peut-être une dizaine de volailles dans un enclos un peu. On te met tous les moyens. Mais vous allez voir que la personne va échouer. Ça veut dire que la réussite ne se limite pas seulement aux moyens, mais d'abord aux moyens intérieurs. La volonté, tout ce qu'on a, la confiance en soi, la capacité intérieure, tout ce qu'on a, on a dit. Et donc, on ne peut pas dire que oui, on doit forcément répondre ou bien réaliser son projet à travers une planification, et une méthode d'organisation, tout ce qui est là. Non, il y a des imprévus. Et donc, il faut aller à l'école de la gestion de ces imprévus.
de tout ce qui va constituer l'entrave à notre élan de continuer, de réussir. Donc, c'est très important de souligner cela. Que tu sois élève, que tu sois jeune étudiant, que tu sois en formation, que tu sois employé, salarié, là où tu es, même que tu sois commerçant, ménagère, couturier, tout ce que tu fais, chacun d'entre nous doit pouvoir s'interroger sur sa manière de s'organiser pour réussir sa vie ou bien réussir ses objectifs, réaliser ses objectifs ou bien son projet dans une time que tu t'es donné. Peut-être c'est au cours de cette année, tu t'es au début d'année ou bien en fin d'année, tu t'es dit, OK, avant que 2022 ne s'achève, je dois faire ça, je dois faire ci. Alors, quand c'est bon de le dire, mais il faut que tu te dises quels sont les moyens que je me donne pour y arriver. Et maintenant, tu peux avoir les moyens physiques, mais tu peux aussi avoir recours à des moyens immatériels. D'accord? Et donc, au-delà de tout, tu dois pouvoir rester dans ce dynamisme de toujours créer les moyens de faire de telle sorte que ta jarre ne s'épuise jamais. La jarre qui constitue tes moyens, tu dois toujours avoir des provisions assez suffisantes pour pouvoir combler les trous, les imprévus, les interactions, tout ce qui viendra des autres. Les gens vont vouloir mettre des bâtons dans tes roues. Les gens vont vouloir te mettre dans des programmations qui n'étaient pas prévues, toi, dans ton planning. Donc, tu dois pouvoir être anticipatif. Tu dois pouvoir avoir l'esprit anticipatif. Tu dois pouvoir essayer d'avoir les stratégies qu'il te faut pour pouvoir gérer tout ce qui est imprévu, tout ce qui peut te donner la tension, le stress. Et surtout, tu dois être sincère, pour terminer mes propos sur ce plan, et tu dois être sincère envers toi-même et fidèle à tes propres objectifs. Souvent, les gens fixent des objectifs, mais ils ont aussi des moyens, mais ils ne restent pas fidèles à leurs propres objectifs. Ils papotent au fil des jours, au fil des mois, jusqu'à ce que le temps ne s'épuise et ils se rendent compte que finalement, ils n'ont rien eu, ils n'ont rien réalisé. Donc, tu dois pouvoir rester aussi fidèle derrière tout ce qu'on est en train de dire. Si c'est ça que quelqu'un est en train de nous écouter, il y a des gens qui s'épuisent, comme mon frère l'a dit, et il n'en peut plus. Il y a le désespoir. Comment tu arrives à gérer ton désespoir, tes moments de désespoir, tes moments d'asthénie, de fatigue, tes moments d'étouffement? Une personne peut t'étouffer jusqu'à ce que tu n'abandonnes même ta propre vision. Au service, tu as un patron, un chef qui ne te donne pas la motivation qu'il te faut pour réussir vraiment ta vie professionnelle. Ou bien tu as des collègues vraiment qui te pourrissent la vie. Tu dois pouvoir avoir la capacité de développer, chercher cette force intérieure pour pouvoir gérer tout ça là. S'il y a des gens qui se retrouvent, ils n'ont qu'à faire référence. Il y a des spécialistes, des gens qui puissent les coacher pour essayer de faire un peu ce travail intérieur, comment chercher. Dieu nous donne, il y a certaines choses que Dieu nous a déjà concédées mais qui dorment en nous. Il faut les réveiller, il faut les mettre en exercice, en action et en interaction. Quotidiennement, tu dois pouvoir utiliser ces moyens intérieurs, ces forces intérieures pour pouvoir te mettre en équilibre. Lorsque le déséquilibre vient, c'est le chaos. Tu dois toujours maintenir. En matière de réussite de quelque chose, tu dois pouvoir chercher l'équilibre. La balance doit être toujours juste. Tu ne dois pas, lorsque tu vois que c'est en train de baisser, tu dois faire un effort d'augmenter le poids pour que l'équilibre redevienne. Tu dois toujours avoir la tête sur les épaules, la tête haute pour avancer. Et faire fi des ondits, des rumeurs, de tout ce qui constitue la négativité qui puisse influencer ton élan. Et moi, je vais finir ainsi pour dire aux gens et à tous ceux qui nous suivent de se donner du courage. L'extérieur peut vous encourager. Ah, beaucoup de courage, hein, ce n'est pas facile. Ce travail que tu fais, ce n'est pas facile. Beaucoup de courage, hein, monsieur Mathieu. Le journalisme au Togo, vraiment, et on vous persécute. Mais entre-temps, vous-même, vous avez une passion.
Vous avez quelque chose en vous qui fait qu'au-delà de tout ce qu'on vous dit, ce travail, vous l'aimez. Et c'est toujours, j'ai toujours souhaité l'amour au-dessus de tout, par-dessus tout, en tout ce que nous faisons. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci, madame. Oui. Et suite à cette question, et monsieur, et comment peut-on vraiment relever le défi? Voilà, relever le défi. Ce que je veux faire, qu'est-ce que ça m'apporte? Je le fais pour le plaisir des gens, ou bien je le fais pour mon bonheur et mon bien-être. C'est ça aussi le problème. Ce que tu veux faire, si tu n'aimes pas ce que tu veux faire, tu ne vas pas réussir. Des fois, on te dit c'est ça que tu vas faire pour réussir, mais toi, intérieurement, tu ne le sens pas. Tu ne le sens pas. C'est comme une inscription à l'université. Le vieux dit, ah, tu as eu ton bac D, je veux que tu fasses la médecine. L'enfant dit, je ne me sens pas être médecin. Mais on l'oblige à s'inscrire en médecine. Il peut aller s'inscrire pour respecter ce que son papa a dit. Mais il va finir ses 7 ans, il sort docteur. On le recrute, il vient au bureau à 10 heures. Il fait tout pour qu'on le renvoie. Alors ça veut dire qu'il n'a pas l'amour de ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il fait ne lui procure pas un bonheur personnel, un bien-être personnel. Donc ce que tu dois faire, la première des choses, ça doit te procurer un bonheur personnel. Supposons quelqu'un qui n'a jamais eu faim. Quand tu es en train de savourer un bon plat, tu dis, oh, ça c'est bien. Lui ne sait pas au fait ce que tu es en train de ressentir, parce qu'il n'a jamais eu faim et il a eu envie de manger. Dès qu'il a faim, il appuie, on apporte. T'es un petit creux. Mais toi qui as eu faim 2 jours, même tu trouves un petit gari avec du sucre, mais le bonheur que tu ressens en mangeant ce petit gari-là, lui ne va pas ressentir cela. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, se fixer comme objectif, planning, but à atteindre, il faut que cela nous procure en première position à nous-mêmes un bonheur et un bien-être. Et quand tu as le bonheur dans ce que toi-même tu fais et que tu le ressens, ça peut facilement rejaillir sur les autres. Si tu aimes ton métier de médecin, quel que soit le salaire qu'on va te donner, tu le feras bien. Tu le feras très bien. Un malade qui vient, ta manière de l'accueillir, c'est différent. Mais quelque part où tu es, juste parce que ça paie bien, tu n'aimes pas ce boulot, il y a une différence, ça se sent. Quand on va dans un service, ça se sent que lui là, non, ce n'est pas là-bas il doit être. Il le fait par complaisance. Il le fait par complaisance. Et puis souvent, c'est eux qui escroquent les gens. Bon, c'est-à-dire qu'il est là juste pour gagner son argent, c'est tout. Mais quand quelqu'un aime son métier, son travail, ça se sent dans le travail qu'il fait. Tu rentres en ayant, c'est-à-dire en ayant un bonheur que oui, aujourd'hui j'ai accompli quelque chose. Aujourd'hui j'ai aidé quelqu'un dans mon service. D'accord. Voilà. Madame, et qu'est-ce qui empêche vraiment les êtres humains à réaliser leur projet? Oui, il y a certaines choses, j'ai essayé de brosser cela tout à l'heure, mais je vais repréciser comme vous avez posé la question de façon plus précise. Plusieurs choses peuvent bloquer les uns et les autres à ne pas réaliser les projets. D'abord, il faut essayer de voir si le projet que j'ai conçu reflète ma personne. Je rentre dans la même logique que mon frère Benjamin. Est-ce que ce projet, je l'ai fait pour plaire aux gens? Pour dire que oui, qu'on me note aussi dans un agenda que moi aussi j'ai fait quelque chose. Et sur le plan politique, souvent, comme je suis, j'incarne aussi le truc là. Et il y a des choses. Est-ce que la population vraiment a besoin de ce que tu es en train de concevoir comme projet pour elle? Parce que, entre-temps, si tu n'as pas consulté la population par rapport à ce projet que toi tu as conçu, toi tu vas te dire que tu as fait quelque chose pour elle. Mais en réalité, tu n'as rien fait. Parce qu'elle va te noter. Elle te dira que tu ne lui as rien fait. Alors, le projet, est-ce que ça répond au plan de Dieu? Nous sommes sur le plateau d'une télévision qui respecte le... Voilà, confessionnel. Et loin d'être, loin de le dire ainsi,
mais nous sommes des créatures et nous avons la conscience qu'il y a un créateur. Je l'ai dit tantôt que Dieu sait pourquoi il nous a créés. Il nous envoie en mission aux côtés de nos frères et sœurs. Alors, lorsque tu veux agir au milieu de tes frères et sœurs, autour d'eux, ce que tu veux leur donner ou bien ce que tu veux faire, soit pour te faire plaisir ou bien pour eux, mais dès lors que tu constates que c'est pour leur faire plaisir, là, il faut que toi-même tu te dis que quel est ton apport? Où est-ce que tu te situes dans ce projet-là? Parce que c'est important. Alors, ça peut venir de nous-mêmes, ça peut venir de Dieu, ça peut venir des autres. Ça peut venir des autres en ce que, je vais donner un exemple. Nous sommes ici sur ce plateau, dans une maison où il y a les, vous êtes nombreux, vous êtes journalistes. Vous vous êtes chargé de l'émission Palais de l'éducation, un autre collègue, etc. Pour réussir vos émissions de Palais de l'éducation, ce n'est pas vous seul qui faites le travail. Vous avez d'autres collègues qui jouent un autre rôle ou bien d'autres rôles. Alors, s'ils ne jouent pas bien ce rôle, vous aurez mis tous vos efforts, tous vos moyens en œuvre, mais vous aurez un échec. C'est pour dire que parfois, l'échec peut venir aussi de notre environnement proche. Donc, j'ai essayé de brosser ça quand je disais tout à l'heure qu'il faut savoir constituer des bagages ou bien des forces qui puisse vous aider à contrecarrer ou bien à gérer certaines choses. Autrement dit, vous êtes en collégialité pour un travail donné, même si vous n'êtes pas responsable, l'autre a son apport, mais vous avez un droit de regard. Est-ce que ce qu'il est en train de faire, est-ce que ça répond vraiment aux normes qui régissent votre travail commun là? Ce n'est pas parce que, bon, voilà, et M. Mathieu, lui, il est présentateur. Voilà l'autre, derrière l'écran, il y a le technicien, donc bon, il s'en fout sur ce qu'il veut là, il n'a qu'à faire. Monsieur Mathieu ne doit pas rester indifférent. Il doit s'assurer si vraiment le technicien derrière l'écran, est-ce qu'il est en train vraiment de manager les appareils. Et lui aussi, derrière l'écran, doit voir, entre-temps, est-ce que Monsieur Mathieu, le présentateur, est-ce qu'il n'est pas en train de somnoler? C'est-à-dire que il doit avoir, chacun doit avoir un regard sur son frère, sa soeur, dans l'esprit de collégialité professionnelle que vous êtes en train de vivre. Même si c'est à la maison, papa doit voir si maman, son rôle là de maman, est-ce qu'elle le fait bien? Maman doit voir son rôle de papa, est-ce qu'il le fait bien? Enseignant, élève, étudiant, professeur, chacun doit voir, est-ce que je réponds? C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, c'est une chaîne où chacun a une responsabilité, mais au final, chacun doit aussi a le devoir. Ce n'est pas pour s'immiscer. Souvent, les gens, ils abusent de ce que je suis en train de faire. Ils s'immiscent d'une manière abusive. Au lieu d'apporter un soutien à son frère, à sa soeur, dans son rôle, on veut juxtaposer. On veut prendre la place plutôt. Et ça crée des frustrations, ça crée des problèmes humains. Et donc, par conséquent, ça empêche même la réussite de votre vision commune ou vient du projet pour lequel vous êtes mis ensemble. Et pour finir, ce qui peut aussi empêcher nos visions, bien nos projets d'être réalisés, il y a ce que j'appelle souvent l'orgueil. Okay. Voilà, l'orgueil, le zèle. Le zèle et d'autres encore qui constituent des mœurs, des vices. Que certains, je ne sais pas si c'est lié, ils ont eu des passés, des antécédents qui ont laissé ces choses en eux, mais je voudrais prier les uns et les autres, si des gens se reconnaissent dans ces gens d'eux, ce sont des maladies qu'il faut chercher à guérir à tout prix, sinon vous n'allez pas avancer dans votre vie, vous n'allez pas réussir, vous allez vous battre tout le temps, mais vous aurez toujours à tourner autour du pot, à tourner en rond, parce que lorsque vous mettez l'orgueil à la place de l'amour, soyez sûr que vous avez commencé quelque chose, mais vous aurez un échec. C'est d'emblée. Parce que l'orgueil ne construit rien. L'humilité, certains le disent, l'appellent l'amour, ce que j'appelle l'amour, l'humilité.
Il faut que le maître devienne serviteur et que le serviteur, c'est Dieu qui le nomme maître. Donc, du moment où nous sommes entre humains, nous devons nous servir, avoir l'esprit de service. Nous devons nous rendre humbles. Lorsque quelqu'un t'offense, c'est aussi, ça ne te coûte rien de faire le mea culpa. Mais si entre-temps, c'est toi qui as raison, et puisque tu avais des objectifs, tu as des objectifs à atteindre, tu n'as pas du temps à perdre, tu n'as pas besoin que la personne vienne te demander pardon. Mais toi, tu fasses le pas parce que tu as quelque chose, un apport à prendre chez elle. C'est un peu aussi une manière de défier les gens. Puisqu'on parle de défi pour réussir, il faut, et ça se dit comme ça, il faut défier la personne. Ou bien la personne vous a distribué une tâche, tu vois ton collègue en train de traîner. Ah, c'est un travail de chaîne. Ou bien, comme on le dit, à la chaîne. Mais toi, tu as fini, mais tu l'attends. Va vers lui, même s'il te rejette. Faites de telle sorte qu'il puisse aussi avancer pour que la chaîne puisse vraiment voir le bout du tunnel. Donc, vraiment, il faut mettre tout en œuvre sur tout ce que j'ai cité, les cinq aspects-là, pour pouvoir réussir. Sans quoi? Voilà, il n'y a pas de réussite. Et les uns et les autres, il faut les prendre ensemble. Nous sommes une chaîne. Voilà. Il faut prendre tout ce que je viens de dire là ensemble pour vous assurer vraiment une réussite. C'est très important. D'accord, madame, merci. Et chers téléspectateurs, nous acheminons donc vers la fin de cette émission. La vie est censée être un défi, car ce sont les défis qui nous font grandir sur tous les plans. Merci de nous avoir suivis jusqu'alors. Madame Soussou, votre mot de la fin. Merci pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Et moi, ça me ramène un peu à, je l'ai dit tantôt, à un théorème que j'ai conçu en matière de réussite que je dénomme ainsi, que je partage avec les téléspectateurs, R égale VEM. R qui veut dire réussite, et le VEM, V qui signifie volonté, le E qui signifie effort, et le M qui signifie méthode. Donc voilà un peu de façon résumée. On peut tout oublier durant ce temps que nous avons passé sur le plateau, mais je voudrais partager cela avec les téléspectateurs pour en faire un théorème autour duquel eux-mêmes ils vont construire, ils vont créer, ils vont avancer sur tous les plans. R égale VEM. Réussir, réussite égale volonté, effort, méthode. Merci beaucoup. Merci, madame. Et monsieur Nabrissiba, votre mot également, mot de la fin également. Merci, Mathieu. Et pour résumer tout ce qu'on a dit, il faut qu'on revienne vraiment à nos cultures, à nos valeurs. Et par rapport au dernier développement de madame le maire, vous voyez, on est en train d'être dans une société qui devient individualiste. Regardez tout dernièrement le rapport du ministre de la Sécurité. Près de 46 suicides. Alors que quand on était petit, rarement tu entends que quelqu'un s'est suicidé. Ça veut dire qu'actuellement, il y a trop d'individualisme. Quelqu'un a un problème, il ne sait pas à qui s'adresser pour avoir de l'aide. Vraiment, il faut qu'on puisse faire un effort partout où nous sommes, de s'écouter, d'éduquer les autres. Madame le maire l'a dit, tu as vu, ça ne va pas chez l'autre. Même s'il refuse, fais un effort, va vers lui. C'est l'humilité. Demain, il te le revaudra. Même si lui ne le fait pas, l'invisible sait que tu as fait quelque chose pour aider cette personne. C'est très important dans notre société actuellement. Il ne faut pas que ce qu'on veut faire soit pour nous seuls. Non, que ça soit pour toute la société. Que je te connaisse ou pas, je vais t'aider, il n'y a pas de problème pour cela. Voilà, il faut qu'on revoie nos relations, l'interaction, la lutte des classes. C'est très important. Ça permet à la société d'évoluer. Parce que le changement n'est jamais collectif. C'est individuellement, ça change, mais ça impacte toute la société. Voilà, c'est mon mot de fin. Merci, messieurs. Marc et Atou, merci à vous. Merci à nos techniciens. On se retrouve le mercredi prochain dans ce plateau, dans ce palais, pardon, pour vous servir. Passez donc une belle soirée sous la protection divine. Alors, au revoir.